Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Les étalons savent relever les grands défis et seront en Afrique du Sud à l'occasion de la CAN 2013. Une victoire nette et sans bavure, 3-1 face aux Fauves de Centrafrique, ouvre grandement les portes de Jobourg à notre équipe nationale. Le président du FASO est rentré cet après-midi de Kinshasa où il a pris part au 14e sommet de la francophonie dominé par les questions de paix et de sécurité au Mali et en RDC. Bilan des assises avec nos envoyés spéciaux. La station de Kikedini dans le Gourma expérimente avec succès l'insémination artificielle de vaches laitières, une contribution à l'amélioration génétique du cheptel appelée de tous leurs voeux par les responsables du ministère des Ressources animales. Ainsi donc, c'est fait. Les étalons se sont qualifiés ce soir pour la CAN que le pays de Mandela abrite l'année prochaine. L'équipe nationale a battu en match de barrage la Centrafrique 3-1 au stade du Katout. Revoyons pour le plaisir les 4 buts de la rencontre. On va poursuivre. Allez-y, Modeste, prenez ce micro. Attention, ah, là, il y a une loupée. Oh là là. Alors qu'il ne fallait pas. Oh oui. On va chercher sur le capitaine. Je tape 3 pas, Jonathan. Ah, il a 3 adversaires. Il arrive à coulisser cette fois-ci. Ça doit être le bon, Moumouri. Oh, c'est le but. Bravo. Voilà. C'est bon. C'est très bon. Moumouri Dagano, 3 pas. Et. Les mains au rein, un peu de silence, et c'est marqué. Non, il a... C'est marqué. Là-bas. Bio, Bio, Bio. C'est ce que nous attendons. Mais, voilà. Ce que je disais, c'est la qualification. Ils Merci. Sont au stade du Katout. Mais ils sont qualifiés. La CAN 2013, nous serons en Afrique du Sud du Rhum. Oui. Les Fauves qui sont battus. Oh. Ah oui. C'est alors beau. Qu'ils ont joué contre le temps. Et je crois que. Les étalons. Les Fauves vont nous faire rêver. Partout. Modeste Ouattara. Du stade. Si je dis. Oui. J'imagine que tous les oui. téléspectateurs qui nous envoient des messages. C'est vrai. De par le monde. C'est vrai. Ils sont soulagés. Je les remercier. Il y a beaucoup. Beaucoup ont cru à cette victoire des étalons jusqu'à la dernière minute. Ils ont cru. C'est vrai, nous avons eu peur. On revoit encore voilà. cette tête. Ça le gardien, fini. C'est Alain. Oui. Le gardien qui était sorti. Bravo aux étalons. Nos reporters reviendront plus amplement sur cette qualification au cours de nos prochaines éditions. Fin aujourd'hui du 14e sommet de la francophonie de Kinshasa, la grande famille de la francophonie avait à l'ordre du jour la gouvernance locale, la sécurité au Mali et en RDC et les questions environnementales. Évariste Combari, Jean Zongo reviennent sur les conclusions de ce sommet. La francophonie relève désormais du passé. À Kinshasa, les pays francophones ont passé en revue les questions économiques, environnementales, de gouvernance locale ainsi que les questions de sécurité et de paix. Nous avons pu faire un tour d'horizon des différentes initiatives entreprises dans ce sens pour accompagner les processus démocratiques, pour améliorer les systèmes électoraux. Outre la proposition de la création d'une organisation mondiale de l'environnement, l'espace francophone s'est engagé à développer des initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique préjudiciable à tout développement propre et à tout développement durable. Nous avons en outre comme priorité dans nos programmes la question de l'éducation, de la formation professionnelle. Nous avons ensuite la coopération pour le développement durable, pour appuyer le développement durable dans ce monde, car nous pensons qu'il faut une économie bien sûr mondialisée, mais plus juste, plus équilibrée. C'est à l'intérieur des États comme entre les États. Les francophones ont aussi exprimé leur volonté à mettre tout en œuvre pour que la République démocratique du Congo et le Mali recouvrent l'intégrité de leur territoire. Le quitus du Conseil de sécurité de l'ONU ouvre la voie à une intervention militaire dans le nord Mali. Sans la stabilité des pays, nous ne pouvons pas promouvoir le français, nous ne pouvons pas organiser le développement. C'est ce qui fait que sur ces questions, nous avons pris à nouveau des engagements pour appuyer le règlement des conflits, pour stabiliser notre espace, mais aussi pour accompagner le monde dans la recherche de solutions
la stabilité de toutes les régions du monde. Le président du FASO, qui a pris part au 14e sommet de la francophonie de Kinshasa, a prononcé un discours lors des travaux à huis clos. Il a aussi reçu en audience Alassane Dramane Ouattara et le président sénégalais Macky Sall. À l'ouverture du sommet de Kinshasa, le président français a donné sa vision de la francophonie et de la langue française. François Hollande a surtout énuméré les ambitions qu'il nourrit pour l'espace francophone. Ces ambitions s'articulent autour de 4 priorités. On l'écoute. Je suis venu ici à Kinshasa pour ce sommet afin de vous proposer à l'île francophone une ambition commune autour de 4 grandes priorités. La première, c'est de multiplier les échanges dans l'espace francophone entre les jeunes, entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les artistes, les créateurs. Et la France veut montrer l'exemple. La seconde priorité, c'est faire de la francophonie un outil au service du développement. Le développement, c'est d'abord la préservation de notre planète, la biodiversité à laquelle vous êtes si attaché en Afrique. Le développement, c'est également la lutte contre le réchauffement climatique dont vous n'êtes pas responsable, mais qui vous touche particulièrement à travers un certain nombre de catastrophes qui se produisent sur notre continent. Parler le français, c'est une façon de penser, de concevoir le monde. C'est un message de liberté. La francophonie, c'est une belle et grande idée. Elle ne se vit pas comme un conservatoire, comme un musée, où nous aurions à protéger notre bien, notre richesse, notre langue. Non, la francophonie n'a peur de rien. C'est un espace de rayonnement. C'est la promotion de valeurs. Des incertitudes planaient sur la tenue de ce 14e sommet. Au bout du compte, la RDC a réussi à organiser la grande messe de la francophonie. Pour les Congolais, le français est une ouverture et la tenue de la conférence va repositionner leur pays dans le Conseil des Nations. Les lampions se sont éteints sur le 14e sommet de la francophonie. Et c'est plutôt pari réussi pour la République démocratique du Congo. Le pays de Patrice Lumumba a mis le paquet à plusieurs niveaux pour accueillir la grande famille francophone. Pour le président Joseph Kabila, c'est un honneur fait à son pays et à l'ensemble de son peuple. La francophonie, on le sait, repose sur une langue, le français. Une langue qui sera parlée en 2050 par environ 500 millions de personnes. L'Afrique, c'est le continent où notre langue est la plus parlée. Le français est une langue africaine. En 2050, c'est tout proche, 700 millions d'hommes et de femmes parleront le français. 80% seront africains. L'avenir de la francophonie, il est ici, en Afrique. C'est vous qui allez porter le français, ses valeurs, sa diversité. Il faut dire que le Congo est le premier pays francophone au monde. En République démocratique du Congo, le français est la langue officielle, mais aussi et surtout la langue qui ouvre les portes du travail. Pour nous, la langue française, ça représente trop. Trop, ça veut dire c'est une langue officielle d'abord, utilisée à l'école ou dans les administrations. Alors c'est très important, surtout pour les jeunes, qui on peut prendre les élèves ou les universitaires. C'est très important parce que ça les aide à se retrouver dans différentes sociétés ou firmes pour avoir du boulot. Si tu ne parles pas mieux français, tu es écarté. Pour les Kinois, la tenue du sommet va permettre à leur pays de se repositionner au plan international. Ça fait très longtemps qu'on demandait qu'on puisse organiser cette manifestation ici chez nous. Mais voilà, l'occasion nous a été donnée. Et c'est une joie et ça a porté plus sur le plan
touristique et économique, bien sûr. Il y a beaucoup de malveillance vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un pays de viol sexuel. Ce n'est pas un pays, vous pouvez vous promener, je ne sais, j'espère que vous l'avez fait hier, seul, dans la rue, il n'y a pas de limite possible. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes à l'est du pays, c'est confiné à la frontière avec le Rwanda, mais le reste du pays est fréquentable, vous pouvez y aller 24 heures sur 24 sans inquiétude. Une chose est certaine, la République démocratique du Congo n'oubliera pas de sitôt le 14e sommet de la francophonie. Retour chez nous pour parler de la tournée de mobilisation du président de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Zéphirin Diabré a rencontré hier les militants de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Cette rencontre avait pour objectif de mettre en contact les différents candidats aux élections couplées de décembre prochain. Reportage Frédéric Bassinga. C'est dans le quartier Bissiguin que Zéphirin Diabré a rencontré les militants de l'Union pour le progrès et le changement de l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre, faire en sorte que les différents candidats aux élections couplées législatives municipales de cet arrondissement puissent se connaître. Cette rencontre a également permis à ces militants d'échanger et de se donner des conseils pour mieux aborder la campagne électorale à venir. En fait, c'est l'occasion pour nous de nous rencontrer, de rencontrer les camarades militantes et militants et d'apporter un message de paix, un message d'union surtout. Parce que vous savez que lorsque vous devez aller loin, il faut mélanger sa monture. Alors donc, pour nous, l'occasion avant le début des hostilités, comme on le dit, l'occasion de nous connaître, d'affûter nos armes et surtout les arguments pour aller à cette campagne-là avec beaucoup d'espoir. Tous ceux qui veulent le changement, qu'ils viennent s'unir à nous. Nous travaillerons ensemble pour que ce changement soit effectif au Burkina Faso. Il faut par ailleurs noter que dans la matinée, le président de l'Union pour le progrès et le changement a également rendu visite aux militants de l'arrondissement 7 à Zatouli, avec le même but, préparer la campagne de ces élections qui ne sont plus loin. La libre circulation des personnes et des biens et le droit de résidence étaient au centre d'un atelier de sensibilisation qui a réuni transporteurs, opérateurs économiques, sociétés civiles et agents de contrôle de l'État. Les participants se sont familiarisés aux différents textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace sous-régional. Reportage Ernest Cambiré. Après deux jours d'échanges, d'informations et de formations sur la libre circulation des personnes et des biens et sur le droit de résidence et d'établissement dans l'espace CEDEAO, les jeunes opérateurs économiques, transporteurs, représentants de la société civile et agents de contrôle de l'État que sont les douaniers, les agents des eaux et forêts, les policiers et les gendarmes ont pu célébrer les bonnes pratiques et accroître leur degré d'appropriation des tests communautaires. Ils ont été informés et sensibilisés sur les actions des organisations sous-régionales visant à faire d'eux les principaux acteurs de l'intégration. En considérant la vision stratégique 2020 vers la CEDEAO des peuples, les participants à l'atelier du Tenkodogo ont recommandé entre autres une très large diffusion dans la langue officielle et dans les principales langues nationales du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, la mise en place par la commission de la CEDEAO d'un cadre de concertation entre les agents de contrôle des États membres. Nous avions effectivement pris acte de cet état de fait que, dont nous ne pouvons pas nier le phénomène, mais nous disons que tous les acteurs sont concernés par la problématique et qu'il faudrait que tous les acteurs soient sensibilisés. Si on doit illicitement payer une somme, c'est que quelque part, on voudrait amener l'agent public à ne pas constater une certaine infraction auquel effectivement on est confronté. Des recommandations qui feront l'objet d'un examen minutieux de la part du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, organisateur de la rencontre. Le gouvernement sera saisi pour les mesures appropriées. En ce qui concerne les affaires étrangères, nous continuerons nos activités de sensibilisation que nous allons améliorer au regard de ces recommandations. Je puis vous annoncer d'ores et déjà, par exemple, que d'ici la fin de l'année, le chef de l'État du Burkina va se rencontrer avec son homologue du Togo au poste de contrôle qui s'est posé de Sinkansé, ce qui permettra une bonne fonctionnalité de ce poste. Les défis de l'intégration sont nombreux et les attentes des populations fortes. C'est dans ce sens que les journalistes burkinabés s'intéressant à la question de l'intégration sous-régionale ont été invités à former un réseau afin de bénéficier du soutien des instances communautaires
pour une grande visibilité des actions des organisations d'intégration au Burkina. Les conseils municipaux dressent les uns après les autres le bilan de 5 ans de gestion à Dano. Une rencontre a permis de revoir le chemin parcouru. En 5 ans, près de 800 millions de francs CFA ont été investis dans la réalisation d'infrastructures modernes au profit du chef-lieu du Yoba. Commentaire Nyarki Teda. Dano, à l'instar des autres communes du Burkina Faso, s'apprête pour le renouvellement de son conseil municipal. En attendant, l'heure est au bilan. Ici, le maire Louise Marguerite Sobé et les conseillers municipaux font l'état des lieux de la vie de la cité après 5 ans de gouvernance. Je pourrais dire que c'est un bilan positif. Bilan positif que je dédie à la population de Dano pour leur compréhension. Preuve qu'il n'y a pas eu de troubles durant les 5 ans que nous sommes à la tête de cette commune. C'est grâce à la maturité de la population qu'il n'y a pas eu de troubles. Et encore à l'ensemble du conseil municipal, qui est un conseil qui est composé de plusieurs parties. Mais si vous arrivez au sein de notre conseil, vous ne pouvez pas le savoir. Pendant 5 ans, le conseil municipal a axé ses actions sur la réalisation d'infrastructures marchandes, sanitaires et scolaires, ainsi que l'ouverture des pistes, mais également de recherche, de partenariats pour propulser la capitale du Yoba sur le rail du développement. Vu même notre mairie, quand on regarde notre mairie, vraiment, je ne sais pas comment apprécier notre mairie, je ne sais même pas comment la classer parmi toutes les mairies du Burkina. Je peux dire que peut-être qu'on est en troisième position vu celle de Bobo et de Ouaga. Et nous avons encore une musée de la femme, vraiment qu'elle a fait honneur à toutes les femmes du Yoba. Bien vrai que le marché n'est pas achevé, mais on est contente au niveau du marché. On a vu un certain développement. Et on pourrait citer même la nouvelle mairie qui est en construction et qui rehausse, disons, la ville de Dano. Il y a des lotissements qui se font, qui s'étendent. Tout cela est vraiment positif. Peut-être si j'avais un souhait à faire, ce serait qu'au niveau des lotissements, il y ait plus de viabilisation. Parce que souvent il y a des parcelles, mais les voies ne sont pas tracées. Il y a pas mal de choses à faire pour que Dano soit vraiment une ville agréable à vivre. Cependant, tout n'a pas été simple pour le conseil municipal. Il lui a fallu une longue sensibilisation pour convaincre les populations à adhérer aux affaires de la commune. Une commune dont les attentes sont nombreuses. Nous avons une autre difficulté, c'est le problème d'eau. Le problème d'eau à Dano. Mais dans vraiment, j'ai des problèmes avec le problème d'eau. Et vous savez que l'eau est cruciale. Quand vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez absolument rien faire. Avec un budget annuel de 36 millions en 2006, le budget est passé à près de 300 millions de francs CFA en 2011. En 5 ans, le conseil municipal de Dano et ses partenaires ont investi environ 800 millions de francs CFA pour les différentes réalisations dans la commune de Dano. Ouvrons une page agriculture, signature vendredi dernier d'une convention entre le ministère de l'Agriculture et la société indienne Joint Irrigation System. Grâce à ce partenariat, des technologies en matière de maîtrise de l'eau seront mises à la disposition du Burkina. L'objectif étant de développer l'agriculture irriguée et la maraîchiculture périurbaine. Précision, Sié Sylvestre Da. Cette signature de convention ne consacre pas un transfert de somme d'argent. Il s'agit plutôt d'un protocole d'entente et de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique et la société indienne Joint Irrigation System. Les deux parties s'engagent ainsi à mettre en œuvre au Burkina Faso des projets dans le domaine de l'agriculture irriguée et de la maraîchiculture autour des centres urbains. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, d'explorer la possibilité d'établir un projet pilote sur près de 1000 hectares en partenariat également avec les paysans, donc les producteurs sur le terrain, où nous allons regarder comment eux ils pourront nous fournir la technologie au goutte à goutte et la technologie des systèmes d'irrigation par aspersion. Donc là, nous allons maintenant matérialiser cela par un document de projet avec des coûts financiers et nous verrons concrètement comment les choses vont s'exécuter sur le terrain. Un petit pas qui laisse augurer sans doute de grands projets au service du développement de l'agriculture burkinabé. Et ce partenariat, c'est également un cadre d'échange d'expériences et de prestations de services entre burkinabés et indiens.
Lancement aussi de l'opération pilote irrigation mobile de complément par le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Le projet devrait contribuer à lutter contre la pauvreté en milieu rural dans les 13 régions du Burkina pendant 5 ans. Mais pour la première année, l'accent sera mis sur les régions du centre-nord, du plateau central, du nord et du Sahel. Reportage Nicolas Zigani. Les régions chroniquement déficitaires du Burkina seront désormais à l'abri des caprices pluviométriques avec l'irrigation mobile de complément. Le gouvernement, à travers cette stratégie, veut assurer aux populations des revenus substantiels et une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a deux problèmes majeurs auxquels nous affrontons. C'est-à-dire d'abord, comment mieux sécuriser nos exploitations pendant la saison des pluies, augmenter les rendements afin d'augmenter la production. Et deuxièmement, comment faire face au chômage des jeunes en campagne. Parce que là, avec des prestations de services de ce genre-là, vous imaginez une, deux, trois brigades par village, portées à l'ensemble donc, de tous les villages du Burkina Faso, c'est quand même une masse substantielle. Pour cette phase pilote, ce sont 30 communes des 4 régions chroniquement déficitaires qui bénéficieront de ces tricycles surmontés de motopompes. Une brigade mobile est constituée de 2 personnes, un conducteur et un chargé du réseau d'irrigation. Les brigades mobiles qui vont donc accompagner l'ensemble des producteurs à jouer ce rôle de sapeur-pompier. Chaque fois qu'il y aura justement un déficit pluviométrique, un problème hydrique qui se présentera sur une exploitation, ces brigades sont en mesure d'intervenir. Elles sont assez légères, elles sont suffisamment opérationnelles. Et donc notre ambition, c'est donc de pouvoir couvrir à long terme l'ensemble des 8000 villages de ce pays. Et pour gagner ce pari, l'engagement de tous les acteurs s'avère nécessaire. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique a exhorté les bénéficiaires à s'approprier et à s'engager pleinement dans la mise en œuvre de cette opération. Des producteurs de la région du centre se sont rendus vendredi à Komki-Ipala pour visiter le site rizicole de Sogé. Un champ-école en matière de production de riz a été présenté aux visiteurs pour susciter la discussion entre producteurs et autorités sur des questions cruciales. Reportage Nyarki Teda. Le site rizicole de Sogé, dans la commune de Komki-Ipala, qui fait l'objet de visites commentées, est à sa deuxième année d'exploitation, mais déjà riche en enseignement. Ce site l'an passé n'a pas récolté à cause des caprices pluviométriques. Mais les producteurs se sont adonnés cette année. Ils ont cru à ce que l'encadrement leur a dit. Ils ont accepté de travailler comme ça leur a été demandé et le résultat est visible. Une première année marquée par une meilleure récolte, mais cette contre-performance n'a pas joué sur l'engouement des producteurs. Pour la présente campagne, un bouli a même été construit pour l'irrigation d'appoint en cas de poche de ces cerèges. Cette année, les 75 hectares aménagés sont couverts de riz, dont 80% au stade de maturité. L'on attend de ce site 225 tonnes pour un chiffre d'affaires de près de 20 millions de francs CFA pour les producteurs dominés par des femmes. Au départ, ils ont mobilisé les femmes. Nous sommes sorties nombreuses pour les rencontres préparatoires. C'est ainsi qu'on a demandé à avoir des parcelles. On nous a attribué, on a travaillé avec toutes les difficultés. Aujourd'hui, nous sommes très contentes. Cette année, il a beaucoup plu. Mais le début a été tout de même difficile car la pluie s'est tardivement installée. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'homogénéité dans l'évolution des plants. Mais tout compte fait, on est satisfait. En conduisant la visite guidée sur le site de Sogé, la direction régionale de l'agriculture du centre veut faire partager les expériences des producteurs de cette localité avec ceux des autres villages et présenter le travail aux autorités de la région. Ce cadre d'échange, c'est vraiment partager les expériences, montrer ce que nous faisons pour que chacun puisse enrichir ce qu'il fait. Vous voyez le riz que vous venez de voir. Ça veut dire que ces producteurs ont respecté notre protocole. Les résultats sont encourageants, c'est pourquoi les autorités du centre sont allées féliciter les producteurs et recueillir leurs préoccupations. Les producteurs demandent entre autres une disponibilité à temps des intrants et un appui conséquent en matériel de production.
La députée Fatou Diendéré a effectué le 12 et 13 octobre une tournée dans les champs de quelques producteurs agricoles du Passoré. Cette sortie a permis à la députée de constater l'évolution de la campagne agricole et d'échanger avec les producteurs invités à adopter de bonnes pratiques environnementales. Yacouba Goro, reportage. Consécutive, le député Fatoumata Diendéré a tenu à constater de visu l'évolution de la campagne agricole dans les 9 départements du Passoré. Une tournée de 48 heures lui a permis de visiter environ 200 hectares de champs, d'apporter ses encouragements aux producteurs et d'échanger avec eux. Les champs et bassins rizicoles de quelques producteurs semenciers modèles des communes de Arbolé, Bouquin et Samba sont entre autres les sites visités. Dans l'ensemble, la situation de la campagne agricole est satisfaisante dans le Passoré comparativement à la précédente qui a enregistré un déficit pluviométrique. Cette année, les récoltes se présentent bien. Pour le riz, c'est bon et on ne se fait pas de soucis. La fumure organique nous a beaucoup apporté un plus dans ce que nous faisons et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à réussir la campagne. Au niveau de toute la province, la campagne est acceptable. Au niveau des points d'eau aussi, on peut dire que tous les barrages sont pleins. On est au stade récolte à tous les niveaux. Quant à la situation phytosanitaire, elle est bonne nonobstant quelques cas isolés d'attaques de charbon. Le député a invité les paysans à adopter les bonnes pratiques environnementales en sa qualité d'ambassadrice du projet Initiative Pauvreté Environnement. Nous avons aussi apporté abordé quelques thèmes de sensibilisation pour amener les populations et à avoir des bonnes pratiques. Bonnes pratiques, c'est d'éviter les feux de brousse, c'est d'éviter la coupe abusive du bois, mais c'est aussi éviter la divagation des animaux. Elle a aussi incité les autres producteurs à opter pour les nouvelles techniques agricoles, notamment la pratique du zaï, des demi-lunes, du maïs de case et l'utilisation de la fumure organique. Ces techniques permettent de préserver l'environnement à travers la récupération des terres dégradées et la conservation des eaux et sols. Cette tournée me permet cette année d'apprécier positivement la campagne agricole au Passoré, contrairement à l'année dernière. L'année dernière, nous avons pu constater que la famine a durement frappé cette province et n'eût été l'intervention de la vente des vivres à prix social, les populations du Passoré allaient beaucoup souffrir. Et cette année, je crois que c'est le sourire et à travers toutes les rencontres que nous avons eues, toutes choses qui traduisent que cette année, il y aura l'abondance. Pour clôturer cette visite, Fatoumata Diendéré a offert à quelques exploitants agricoles des houes et des charrettes. Ce matériel agricole va peut-être contribuer à accroître la productivité dans la province du Passoré. La campagne d'insémination artificielle lancée cette semaine devrait permettre d'inséminer 10 000 vaches selon les prévisions du ministère des Ressources animales. Le souci est de relever les défis de l'amélioration génétique du cheptel et d'impulser une nouvelle dynamique au développement de l'élevage au Burkina. En la matière, la station de Kikedeni dans la région de l'Est où est pratiquée l'insémination artificielle commence à produire des races laitières. Le dossier est signé Drissa Séré. La station d'élevage de Kikedeni relève de l'antenne régionale du Centre national de multiplication des animaux performants, CEMAP de l'Est. Ce projet du ministère des Ressources animales vise à mettre en place une unité de production et de multiplication des animaux au profit des élevages de la région, à renforcer la production laitière de FADA et à servir de modèle aux différents éleveurs. Sur cette station, par compartiment et selon leur race, les animaux sont facilement identifiables. Donc, au niveau de cette station particulièrement, nous avons plusieurs races, dont quatre. Et à l'intérieur,
À partir de l'entrée, vous avez les bureaux et puis les magasins. Mais au niveau des parcs, nous avons d'abord les goudalis que vous avez vus à votre gauche ici, qui sont compartimentées, celles qui ont été inséminées tout dernièrement, les gestantes. Nous avons le lot des azawaks qui sont de l'autre côté. Et derrière moi, nous avons les mâles avec les veaux et les produits de l'insémination à partir du premier noyau de goudali qui était avec nous ici. Et nous avons les bororos qui sont à ma gauche. La technique de reproduction pratiquée sur cette station est l'insémination artificielle. Plusieurs semences performantes sont utilisées pour la production de lait et de viande. L'utilisation de brune des Alpes, vous avez vu les métis. Nous avons utilisé aussi de la Holstein, nous avons utilisé aussi de la Montbéliard, nous avons utilisé aussi la Tarentaise. Donc cela nous permet de voir le comportement en termes de plus-value. Parce que ce que nous recherchons, c'est l'hétérosis ou la vigueur de l'hybride. Nous voulons utiliser la rusticité des races locales et nous voulons utiliser la performance des races exotiques. Les deux combinés nous donnent des croisés de première génération que nous appelons F1 qui permettent d'avoir une bonne production de lait et de bénéficier en même temps du capital de rusticité. Pour ce qui est de l'insémination artificielle, ici nous sommes à un taux de réussite d'environ 70%, un taux nettement au-dessus de la moyenne nationale qui tourne autour de 55%. Cette technologie exige des conditions drastiques pour fonctionner à 100%. Aussi, sa conduite nécessite un minimum d'expérience. Bon, depuis, j'ai fait la formation en Afrique depuis 2007. Et c'est en 2011, j'ai commencé à pratiquer correctement l'insémination artificielle. Mais pour une femme, bon, je trouve que c'est un métier comme un autre, je vais dire. Et pour une femme, bon, si tu as la volonté de faire quelque chose, tu peux bien la réussir. On voit que c'est une nouvelle technologie. Donc, ce qu'on demande chez les producteurs, c'est vraiment accepter la technologie parce que tout le monde a commencé. Il y a des pays qui sont beaucoup avancés. Donc, ça veut dire que les producteurs doivent se mettre. Il faut un début à tout. Le début est difficile, mais bon. On espère que d'ici là, tout va bien se passer. Fruit du respect des paquets technologiques vulgarisés, la ferme de Kikidéné compte plus de 224 têtes. En termes d'investissement, c'est près d'1,5 milliard de nos francs qui ont été mobilisés pour réaliser les infrastructures, installations pour l'approvisionnement en eau, pour les labours, le stockage et la fauche. Dans le souci de réaliser une chaîne complète, une étable laitière pour la traite mécanique a été installée. Cette installation permet de prendre simultanément 12 vaches. Vous savez qu'on aura d'ici là plus de 100 vaches qui sont déjà gestantes, qui vont mettre bas. Et s'il faut faire la traite manuelle, c'est très compliqué. Talon d'Achille de notre élevage, les pratiques de transhumance et leurs conséquences, les maladies, l'aliment bétail constituent des freins au développement du secteur. La mise en œuvre des projets d'amélioration génétique n'échappe pas à ces réalités. Nous sommes une station protégée. Nous avons du fourrage que nous essayons de produire. Alors ce fourrage-là attire les animaux des élevages voisins, ce qui entraîne l'apport de parasites tels que les tiques, ce qui crée aussi des problèmes de pathologie tels que la dermatose. Donc cela peut nous entraîner des problèmes. Et souvent, nos stations sont envahies par des animaux étrangers. Les autres problèmes, c'est essentiellement l'alimentation. Vous voyez ces bêtes-là, 200 têtes, ça consomme. Ça consomme du fourrage, ça consomme des concentrés tels que les sous-produits agro-industriels, le tourteau, le son, les pierres à lécher, etc. Donc ça consomme beaucoup. Nous avons aussi, il faut faire des prophylaxies périodiques pour éviter certaines maladies. Il faut beaucoup de médicaments pour cela. Donc autant de budgets de fonctionnement qui deviennent de plus en plus importants. Mais ce qui nous encourage, c'est l'attrait que nous créons à travers cette opération. Si l'expérience de Kikidéné s'avère concluante, cela apportera un plus dans le développement de l'élevage. C'est la conviction du département des ressources animales qui se propose de relever à travers l'insémination artificielle le défi de l'amélioration rapide du potentiel génétique du cheptel et de ses capacités de production. 54 ans a donné le savoir aux enfants de la localité. L'école primaire privée de Koubri a fêté hier un demi-siècle d'existence. Témoignages, rappels historiques et animations ont marqué cette célébration parrainée par le maire de Ouagadougou, Simon Compaoré. Reportage Moumouni Soubega.
C'est en 1958 que l'école primaire privée de Koubri a été créée après l'arrivée des premiers missionnaires évangélistes. En 54 ans de vie, l'école a vu passer 29 promotions et a formé des milliers de cadres. Aujourd'hui, parents, anciens encadreurs et anciens élèves se sont retrouvés pour célébrer les 50 ans de l'école. Un moment de témoignage et de souvenirs des élèves et leurs maîtres. Et quand on recrutait, il fallait donc on prenait chaque enfant et on essayait à ce qu'il attrape l'oreille gauche, de par la main droite, attraper l'oreille gauche. Et si tu n'arrives pas à attraper l'oreille gauche, alors en ce moment, tu n'avais pas l'âge de recrutement. C'était difficile, mais comme c'était l'œuvre qu'on aimait, et on continuait à aimer. Les problèmes ne se posaient pas. À l'occasion, parents d'élèves, anciens élèves et le parrain, le maire Simon Campaoré, dont le père aurait été l'un des premiers évangélistes du canton de Koubri, ont tous rendu un vibrant hommage à ses premiers enseignants et à ceux qui ont œuvré à la création de cette école. Bravo à ces maîtres qui, il y a 54 ans, ont travaillé dans des conditions extrêmes pour dispenser le savoir, mais aussi aux missionnaires qui, à l'époque, et aux chefs coutumiers de l'époque, ont contribué à faire en sorte que cette école-là soit une réalité. Le directeur général de l'enseignement a félicité à son tour ses enseignants et a invité les parents d'élèves et toute la communauté éducative à s'engager davantage dans la scolarisation des enfants ici à Koubri. Trois anciens maîtres de l'école évangélique privée de Koubri, Marcel Kabore, Eugène Ouédrago et Abel Ouédrago, ont été faits chevaliers de l'Ordre du Mérite pour services rendus à la nation. Déjà deux semaines que les écoliers du Burkina ont repris le chemin des classes avec dans leurs cartables, cahiers, livres, bics et crayons, des fournitures acquises de haute lutte par les parents, souvent à des prix qui demandent à être contrôlés. Une équipe du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat vient d'effectuer des contrôles à Bobo-Dioulasso où nous retrouvons Sanouya Christine Koulibaly. S'il y a un produit qui se vend bien en ce début d'année scolaire, c'est sans doute les fournitures scolaires. L'un des 19 produits dits de grande consommation, dont les prix font régulièrement l'objet de contrôle par le ministère en charge du commerce. Vous savez, le cahier, même s'il coûte 10 000, votre enfant va aller à l'école, il faut acheter le cahier. Donc vous voyez que c'est une pression. Donc les marges qui ont été fixées, le gouvernement a voulu que nous sortions pour faire respecter la réglementation afin que tous les enfants de toutes les couches sociales puissent aller facilement à l'école. Trois équipes ont donc pris d'assaut les librairies de la ville de Sia. Cette visite inopinée est plutôt bien accueillie aussi bien par les libraires que par les consommateurs. Il faut toujours contrôler pour voir si c'est la réalité. Voilà, donc si ça correspond bien, bon, mais c'est normal, le contrôle, ça doit être fait. Ils font leur travail, c'est normal, et puis on demande ça à chaque fois. On était un peu bousculé avec la rentrée, c'est ça qui a fait, mais la prochaine, ça va être amélioré et puis arrangé tout. Deux critères sont pris en compte dans ce contrôle, la marge à ne pas dépasser et la publicité des prix. Sur ce dernier point, le constat est plutôt satisfaisant. Ensemble, on a constaté que pour l'instant, tout est publié. Même du plus petit crayon, taille crayon, il a affiché tous les prix. Et c'est ce que la loi demande. Quant à la marge à ne pas dépasser, qui est de 20 à 25%, les contrôleurs se sont saisis des documents y afférents pour vérification. Les élèves du Loroum retrouvent l'école les bras chargés de cadeaux. Les meilleurs élèves ont été récompensés hier lors de la 12e édition des prix de l'excellence. Les meilleurs élèves du secondaire ont aussi reçu des distinctions de leur parrain, le maire de Titao. Reportage Abdelaziz Yagibou. Une étoile qui fascine et dont l'éclat illumine toute une province. C'est ce jeune de l'école Sainte-Marie de Titao qui, à travers son talent exceptionnel, et après un travail titanesque, est déclaré premier au classement national du CEP 2012. Et c'est fier d'avoir porté le Loroum sur le toit du Burkina que Caleb Nébier se joint en cette matinée à d'autres lauréats du primaire et du secondaire de la province pour recevoir des prix. Je suis mis à travailler plus davantage. Je me suis concentré dans les études. J'ai écouté les conseils des maîtres, de mes parents. Au titre de l'année 2011-2012, le Loroum a réalisé des taux de succès de 38% au baccalauréat série A, 35% au baccalauréat série D, 56% au BEPC
et 65% au CEP. La province a fait un progrès de 5 points. Vraiment, nous avons fait un pas de plus et nous pensons faire mieux à l'avenir. Des résultats qui ont eu un écho favorable auprès des acteurs qui se sont toujours battus pour faire de l'éducation le moteur de développement de la province. Ils ont pris en compte tous les autres enseignements, du non formel à travers les centres d'éducation de base non formelle, les centres d'alphabétisation. Ils ont pris vraiment l'école primaire, ils ont pris même le secondaire et le supérieur. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est aussi la façon d'organiser le système éducatif. Chanter l'excellence à la rentrée des classes, c'est guider sur le chemin du succès les pas des élèves qui n'ont pas eu cette chance d'être parmi les élus du jour. Un chemin, certes, parsemé d'embûches. Monsieur le maire a effectivement posé des problèmes des écoles sous paillotes, des logements des enseignants et des enseignantes, a posé aussi des problèmes de pléthore pour le poste primaire et de table banc aussi. Il y a un ensemble déjà de mesures qui sont vraiment planifiées pour 2013 qui vont permettre très sincèrement de juguler tous ces problèmes et toutes ces difficultés. Je me suis rendu compte que le moyen forcé existe bel et bien dans le Loroum. L'exclusion, ça continue encore à pratiquer. Ça doit être arrêté. L'exode au niveau des sites aurifères, tout ça, c'est des éléments qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle ouverture d'école, il faut qu'on arrive à mettre fin à tout ça. À la faveur des multiples actions et contributions des différents partenaires, dont le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, 200 lauréats composés entre autres des meilleurs opérateurs en alphabétisation, des meilleures circonscriptions d'éducation de base, des excellents élèves et encadreurs, des meilleurs parents d'élèves ont vu leurs efforts salués ici. Élèves et étudiants se sont retrouvés le 11 octobre au cours d'une conférence publique. La conférence s'articulait autour des fondements de l'éducation actuelle, fondements qui se situent de la période coloniale à la période postcoloniale. Claudine Bikaba. Démontrer l'importance des archives à travers des conférences débats. C'est l'objectif qui s'est fixé les archives nationales. Il a donc été organisé à ce titre une conférence publique sur les fondements de l'éducation actuelle de la période coloniale à la période post-coloniale. C'est la valorisation des archives. Valoriser les archives, c'est montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les archives. Et donc l'auteur de la conférence a dit qu'il a utilisé les archives pour faire sa conférence. Donc, pour faire l'histoire, on s'appuie sur les archives. Le système colonial, il avait aussi sa spécificité. C'est un système avec une vision assez réduite, bien précise, qui visait la formation d'un noyau, mais pas une formation très étendue. Une conférence à laquelle l'orateur du jour s'est évertué à décortiquer le système de l'éducation coloniale dont l'ambition était de former des acteurs qui seront tous absorbés par l'administration coloniale. Et les participants à cette rencontre apprécient. Il faut dire que la conférence nous a beaucoup édifié. Les informations qui nous ont été apportées par le professeur Maxime Kabore sont plus que jamais de grand intérêt pour nous. Parce qu'en venant ici, on ne savait pas qu'on allait être informé jusqu'à un tel seuil. Vraiment, ça m'a permis de savoir dans quel contexte les premières écoles de la Haute-Volta ont été installées et comment se faisait l'enseignement, quels sont les cadres, les premiers cadres qu'on a pu former. Pour le conférencier, les participants ont eu de la matière à réflexion et qui d'ailleurs ont apporté beaucoup de contributions, ce qui n'a pas manqué d'enrichir ces échanges. Quant aux archives nationales, elle envisage organiser d'autres conférences dans les jours à venir. Le club RTB du Tuy sensibilise les populations sur la sécurité routière. À Oundé, il a organisé des activités pour inciter les populations à respecter le code de la route et à comprendre l'importance du contrôle technique afin de contribuer à la réduction des accidents de la circulation. Sié Sylvestre Da. À travers cette campagne d'information et de sensibilisation menée à Oundé, le club RTB du Tuy entend permettre la réduction du taux croissant des accidents de la circulation dans cette ville. Selon les statistiques des services de sécurité, Oundé a enregistré entre le 1er janvier et le 1er septembre 2012 70 cas d'accidents qui ont fait une vingtaine de morts. Et cette voie
la nationale numéro 1 qui traverse Oundé est le théâtre de la plupart de ces accidents aux causes multiples. Avec l'incivisme des usagers qui ne respectent pas le code de la route et avec des gens qui ont la chance d'avoir des motos qui ne maîtrisent pas et qui ne connaissent pas également le code de la route et qui font de la vitesse. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des accidents. Un panel animé à l'occasion de cette journée a donné lieu à des discussions sur des thèmes tels que le code de la route et le contrôle technique des véhicules. Des discussions qui ont permis de faire des propositions de solutions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules qui échappent à la visite technique. Seulement, au niveau du Hondo, il s'agit de gérer l'aspect traversé de la ville. Et les usagers, les conducteurs traversent la ville de Oundé à grande allure. Donc il faut trouver des dispositifs comme les ralentisseurs par exemple pour réduire la vitesse donc, dans l'agglomération. Je tire en tout cas de cette rencontre en tout cas une satisfaction générale et en tout cas à diminuer le nombre d'accidents dans cette ville. Du reste, cette activité de Adama Ouédraogo et de ses camarades répond aux objectifs de la création des clubs RTB. Le club RTB de Oundé n'a fait qu'enfoncer une porte déjà ouverte. C'est une situation que tous connaissent et que tous déplorent. Et c'est donc une initiative que la RTB encourage et soutient. Vous n'ignorez pas que notre chaîne produit déjà une émission mensuelle sur la sécurité routière qui est feu rouge, feu vert. Et de telles initiatives nous encouragent à continuer. Et pour clore cette journée de sensibilisation sur la sécurité routière, le club RTB a convié la population du Tuy à la finale de son tournoi Maracana. Une finale remportée par Kaiser A au détriment de l'équipe des Invincibles par les scores de 2-0. Campagne de sensibilisation sur les grossesses non désirées en milieu scolaire. Elle a eu lieu jeudi à Boulsa à l'initiative de la direction des filles et de la promotion du genre. Il s'agissait de montrer les conséquences des grossesses non désirées et d'interpeller les parents d'élèves sur le rôle qu'ils doivent jouer. Frédéric Étienne Bassenga. Sensibilisée pour susciter un changement radical des comportements, la troupe de l'espoir est à l'œuvre ici à Boulsa dans le Nanmatenga. Faire rire par moments, parfois interpeller les consciences avec à la clé. Plus jamais de grossesse non désirée en milieu scolaire, Babouanga et ses camarades n'ont pas failli à leur mission. Vous, nos parents, papa et maman, éduquons nos enfants à la responsabilité. L'initiative est de la direction des filles et de la promotion du genre du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Cette activité que nous avons intitulé Campagne zéro grossesse non désirée en milieu scolaire, a pour objectif justement de réduire, voire éradiquer totalement les grossesses non désirées en milieu scolaire, parce que c'est une des causes majeures des abandons scolaires au niveau des filles. Pour le maire de Boulsa, cette initiative vient à point nommé, d'autant plus que sa localité a enregistré 7 cas de grossesse non désirée dans le premier trimestre de l'année scolaire 2011-2012. Cette initiative vient à point nommé parce qu'il faut le dire, dans ma commune ici, les grossesses précoces sont monnaie courante. Donc, c'est vraiment une initiative positive à saluer et à encourager. Après la région du Centre-Nord, ces comédiens de la Troupe de l'Espoir déposeront leurs valises dans les régions du Plateau Central et du Nord, toujours avec le même objectif, sensibiliser pour atteindre zéro cas de grossesse non désirée en milieu scolaire. Pendant une semaine, chercheurs et tradipraticiens de santé se sont côtoyés dans le cadre des activités sur les savoirs médicaux traditionnels. Partage de connaissances et de savoir-faire pour une meilleure santé des populations a été le leitmotiv de ce rendez-vous. Estelle Judith Assorba. La semaine des savoirs médicaux traditionnels s'achève sur des notes de satisfaction selon le premier responsable du département de la santé. Je pense que on peut dire que les objectifs ont été atteints parce que au niveau du congrès, on s'est rendu compte que les connaissances sont avancées, les questions essentielles scientifiques sont posées
et je pense que les années à venir, nous allons encore continuer de résoudre. Quand on regarde également les médecines naturelles qui ont été exposées au salon, on se rend compte que, en comparant un peu, au fil des années, on se rend compte que les choses bougent dans le sens de la quantité et bougent également dans le sens de la qualité, parce que vous avez vu qu'il y a des ONG qui se sont intéressées, il y a des investisseurs même qui ont commencé à s'intéresser, et nous pensons que l'un des objectifs de cette semaine-là, c'était de voir comment intéresser les investisseurs pour aller de la production traditionnelle à la production industrielle. La médecine traditionnelle, c'est l'action de 30 000 tradis praticiens de santé. Ils ont été à l'honneur au cours de cette semaine. Occasion faisant le larron, ils ont, par la voix de leur président, formulé des doléances au président du Faso, Blaise Compaoré. Les tradis praticiens ont souhaité avoir un ministre délégué à la médecine traditionnelle et un fonds d'appui à leurs activités. Ils ont également émis le vœu d'occuper une place au Conseil économique et social. À toutes ces doléances formulées, le chef du gouvernement rassure. En venant à cette manifestation cet après-midi, j'ai voulu exprimer tout l'intérêt que le gouvernement apporte à la médecine traditionnelle. Bien sûr que, comme l'a souligné le représentant des tradis praticiens, la médecine traditionnelle aujourd'hui occupe une place de choix dans les besoins des Burkinabés. Il est tout à fait normal que nous puissions examiner sérieusement leurs doléances. Et je pense qu'il y a certaines doléances qui ont été exprimées qui peuvent effectivement être prises en compte. Alors pour le reste, vraiment, je pense que nous allons voir avec le chef de l'État ce qui est possible donc de faire. Le mérite de certains chercheurs et tradis praticiens a été reconnu à cette cérémonie. Des prix ont été également décernés. Le professeur Mamadou Koumaré du Mali reçoit le prix du président du Faso pour l'innovation et la recherche et une enveloppe de 600 000 francs. Celui de l'OMS est revenu au tradis praticien Patrice Ouédraogo du Burkina Faso. Deux mois après le lancement de ces travaux de construction, CIM Burkina entame l'étape des concertations avec la population riveraine en vue de se mettre en phase avec les normes environnementales en vigueur au Burkina Faso. La future société de cimenterie a commandité une étude d'impact environnemental et social. Objectif, recueillir les préoccupations des riverains dans la construction de l'usine de Polsugo à Kosodo. Cette étude a abouti à une enquête publique au cours de laquelle autorités responsables de CIM Burkina et les populations locales se sont parler. Le dossier est signé Aboubacar Sagnon. CIM Burkina, un nom et une référence dans le secteur du ciment au Burkina Faso. Le 2 août dernier, le premier ministre Luc Adolphe Thiaw procédait à la pose de la première pierre de cette nouvelle cimenterie à Polsgo, dans la zone industrielle de Kosodo. À ces pierres devraient succéder d'autres pierres pour donner au Faso une cimenterie en phase avec les progrès technologiques et avec les exigences environnementales. CIM Burkina se veut une entreprise citoyenne qui veut faire les choses dans le respect de la réglementation en vigueur au Burkina Faso. C'est pour cela qu'elle a commandité auprès d'un consultant indépendant une étude d'impact environnemental et social du projet. Le but de cette étude est d'évaluer les impacts potentiels du projet et également de sélectionner les mesures d'atténuation et de compensation qui vont minimiser l'impact du projet sur les populations et sur l'environnement immédiat de l'usine. Avec CIM Burkina, rien ne sera comme avant. Les promoteurs visent haut avec une trilogie, innovation, performance et qualité supérieure. Et pour cela, les premiers pas doivent être rassurants. Une assurance qui repose sur la prise en compte des préoccupations des populations touchée par le projet. Cette étude a été acceptée par le ministère. Elle est passée à la session COTEV, c'est-à-dire le comité technique des évaluations environnementales. Elle a été acceptée et la dernière procédure consiste en une audience publique. Tous ont le droit à la parole. Des audiences publiques comme celle-ci portent la parole au plus près des communautés pour recueillir leur adhésion avant toute action. Les porteurs du projet sont formels, CIM Burkina doit profiter aux populations riveraines et tout préjudice causé devra trouver réparation. J'ai été dédommagé à hauteur de mon patrimoine. Ce que j'ai reçu m'a permis de reconstruire mon enclos. Je suis vraiment satisfait. Nous étions 5 personnes à être touchées par la construction du mur de l'usine.
je dis bien 5 concessions. Personnellement, ce que j'ai reçu comme dédommagement me convient parfaitement. Comme toute entreprise citoyenne, SIM Burkina veut se servir de la communication pour mieux se faire connaître et mieux servir. Le souci majeur ici, c'est d'associer les populations à chaque étape de la vie de cette usine. Vous voyez le niveau de participation, parce que c'est ce que nous recherchons dans ce genre de rencontres, c'est-à-dire les débats contradictoires, que chacun puisse dire ce qu'il pense et que nous en tenions compte justement dans la finalisation du projet. Parce que, comme vous le savez, l'enquête publique est une des démarches qui fait partie de ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social. Et c'est à partir de l'appréciation de ces populations que nous pouvons dire effectivement le projet peut être réalisé, ou bien le projet ne peut pas être réalisé, ou bien il peut être réalisé, mais avec telle et telle condition. C'est la mission de cette enquête publique réalisée par le consultant chargé de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction de l'usine de ciment à Polsgo. Vous savez, SIM Burkina, c'est une nouvelle société qui est en train de s'implanter au Burkina, mais qui a des partenaires internationaux qui accordent beaucoup de prix à l'environnement. Alors, moi, ayant été sollicité pour éclairer la population, pour accompagner le promoteur qu'est SIM Burkina, j'étais très satisfait de pouvoir faire ce travail-là avec beaucoup d'enthousiasme et surtout apporter une réponse aux préoccupations des populations, bien entendu avec les enquêteurs qui ont été désignés. En matière d'environnement, nous allons les accompagner à ce qu'un système de management puisse être mis en place afin qu'ils puissent prendre quotidiennement les préoccupations des populations et qu'ils puissent respecter les normes en la matière au niveau du Burkina et en tout cas les normes au niveau international. SIM Burkina est et sera respectueuse des normes environnementales et devant les efforts fournis pour protéger l'environnement, la société devrait empocher dans les tout prochains jours son permis environnemental. Sur la question de la pollution de l'environnement, le débat est ouvert. Pas de sujet tabou, la réussite du projet est à ce prix. Coutumiers, religieux, vieux, jeunes, autorités et responsables de SIM Burkina se parlent pour être chacun au même niveau d'information. Nous craignons la pollution et les maladies causées par la poussière du ciment. Par rapport aux nuisances, effectivement, c'est un problème réel que des populations connaissent ailleurs. Est-ce que ces mêmes problèmes seront transposés ici? C'est ce que les populations voulaient savoir. Soyez sans crainte, rassure les techniciens de SIM Burkina, l'usine sera dotée en équipements les plus performants. Si certaines cimenteries dégagent de la poussière, celle de Polsgo sera dotée d'un appareil afin d'aspirer la poussière pour la reconvertir en ciment. Une technologie qui compte donner à la nouvelle cimenterie un plus et faire d'elle une référence dans le domaine de la production du ciment. Selon les promoteurs de SIM Burkina, cet équipement est un prérequis essentiel pour une cohabitation pacifique entre l'usine et le village qui l'accueille. L'usine que nous allons construire relève de la dernière technologie. Il n'y aura pas de dégagement de poussière dans notre usine parce que sur le site, nous allons installer au moins 21 filtres. Et ces filtres vont aspirer toutes les poussières qui vont se dégager, les filtrer pour ne laisser que se dégager que de l'air pur. Société privée de droit burkinabé, SIM Burkina est le fruit d'un partenariat entre le groupe allemand Heidelberg Cement et le groupe burkinabé Canis International. Ces deux groupes envisagent dans un délai de 18 mois construire un centre de broyage qui produira par an 650 000 tonnes de ciment. SIM Burkina va créer 100 emplois directs et pas moins de 600 emplois indirects qui vont graviter autour de l'usine. SIM Burkina va donner la préférence à l'expertise nationale pour participer à la résorption du chômage dans notre pays. Cette nouvelle cimenterie va coûter 25 milliards de francs CFA à ses promoteurs. À coup sûr, l'arrivée de SIM Burkina va mettre fin aux récurrentes pénuries de ciment constatées sur le marché et favorisant une valse de prix. Culture à présent, la 7e édition des Récréatales bat son plein depuis lundi dernier à Ouagadougou. Le quartier Gounguin est transformé en une vaste scène où hommes de théâtre et comédiens vont échanger et peaufiner leurs créations. Reportage Evariste Kombari, Abdoul Rassmane Zongo.
En lieu et place du traditionnel ciseau, il a fallu au ministre de la Culture une scie pour couper le ruban de bois. Pas étonnant, nous sommes au théâtre dans l'univers de la création et précisément au récréatral. Les récréatrales, comme vous le savez, c'est à la fois des résidences, c'est à la fois aussi des représentations. Et je pense que toute l'originalité de cette manifestation tient à cela. Résidence, parce que c'est une opportunité qui est donnée aux créateurs de se retrouver dans un environnement propice pour réfléchir, pour créer. Et une phase aussi de représentation qui permet d'aller à la rencontre du public. Cette année encore, les récréatrales ont investi le quartier Gounguin et offrira aux créateurs, aux hommes de théâtre, des espaces de création scénique et scénographique. Pour sa 7e édition et son 10e anniversaire, les récréatrales rendent hommage au baobab du théâtre endormi à jamais, retranché dans les coulisses. Et cette année, cette édition est placée sous le signe de la situation théâtrale dans sa globalité au Burkina Faso, puisqu'il est placé sous le parrainage d'un baobab du théâtre burkinabé, Jean-Pierre Guingané. Donc véritablement, c'est un arrêt que nous sommes obligés de faire, parce qu'après tout ce que nous avons traversé ces dernières années, où les baobabs sont partis, l'occasion de la 7e édition des récréatrales peut marquer aussi un arrêt. Théâtre, musique, la cérémonie d'ouverture a donné le ton de ce que seront les récréatrales 2012. Un festival qui a reçu un soutien du ministre Baba Ama. Jeudi prochain débute le 10e festival sport et culture de Wayuguia, FESCO, à quelques jours de cet événement culturel. Ses organisateurs ont rencontré la presse pour expliquer le choix du thème de l'édition 2012, promotion culturelle et insertion socio-professionnelle des jeunes. Un accent a été aussi mis sur les innovations de cette année. Abdul Rasmane Zongo. Le festival sport et culture de Wayuguia, FESCO, souffle ses 10 bougies les 18, 19 et 20 octobre prochains dans la cité de Nabakango. Avant ce 10e rendez-vous de valorisation de la culture et de promotion du sport à Wayuguia, le staff organisationnel donne in situ un aperçu de l'édition 2012 au cours d'un débat interactif avec les hommes de médias. Promotion culturelle et insertion socio-professionnelle des jeunes est le thème de la présente édition. Cette année, on a vu que par rapport au chômage des jeunes et tout, est-ce qu'on ne peut pas exploiter ce qui est propre à nous? Ça veut dire notre tradition, notre culture, on ne peut pas exploiter soit la danse, soit la musique pour permettre à ces jeunes-là de s'insérer professionnellement, de rentrer dans la vie active, toutes choses qui peuvent fixer les jeunes dans leur tiroir, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est peut-être à chaque fois vouloir et copier ou bien vouloir chercher ailleurs, on oublie le trésor que nous couvons dans nos maisons, que nous couvons dans nos tiroirs. Sont attendues cette année 14 troupes nationales et 3 de la diaspora ivoirienne. Les activités traditionnelles comme les jeux de société, le défilé de mode, le cyclisme, le football sont également prévues. L'innovation majeure est l'introduction de Miss FESCO à ce 10e anniversaire, la participation des troupes de la diaspora malienne et une animation grand public avec un porte-char dans un circuit fermé à l'intérieur de la ville de Wayuguia. Nous avons ouvert notre journal Pas du sport, nous le terminons Pas du sport. Un gala de boxe s'est déroulé hier nuit au palais des sports de Ouagadougou 2000. Les titres de champion d'Afrique des welter et des supercoques étaient en jeu. À l'arrivée, Soutoke Patrice et Alexis Kabore Yoyo sont désormais les nouveaux champions d'Afrique African Boxing Union. Cheikh Karambiri. Soutoke Patrice, le bombardier. Champion d'Afrique ABU, African Boxing Union des welter. Kabore Bourayma Alexis Yoyo, champion d'Afrique ABU des supercoques. Deux titres arrachés de haute lutte et dans la douleur, l'honneur est sorti. Je suis vraiment satisfait de voir que le Burkina a encore engrangé une ceinture, en plus de la ceinture de Yoyo. Donc c'est dire que c'est vraiment une journée face pour nous, déjà que les cadets ont pu gagner en Namibie 2-0. Et ce soir, en conservant encore les deux ceintures, j'ose espérer que dimanche, nous pourrons en tout cas jubiler avec la population, avec les seniors. Dans la catégorie des welter,
Soutoki Patrice est allé à la reconquête d'un titre qu'il avait perdu. Face au Ghanéen, soit Isaac, le Burkinabé avait obligation de victoire. Dès l'entame, le bombardier va bombarder dans tous les sens, avec des frappes ciblées et non ciblées. À la 9e reprise, le Ghanéen abandonne le combat. Dans la catégorie de Supercoq, Alessi Kabore Yoyo remet son titre en jeu après l'avoir conquis en 2011 face à un Ougandais. Cette fois-ci, l'adversaire vient des hautes altitudes du Kenya. Nick Otieno, un dur à cuire. Et notre yo-yo national a dû user de son expérience, mais surtout de sa ruse pour arriver au terme des 12 rounds. Le Kenyan, très technique, ne recule devant rien. Il a même donné des sueurs froides par moment au public du Palais des Sports, acquis à la cause de yo-yo. Au dernier coup de gong, c'est un ouf de soulagement pour ce public. Alessi Kabore l'emporte au point. D'une manière générale, le niveau des différents combats, néo-professionnels et professionnels, n'a pas volé très haut. Pour ce qui est des professionnels, je pense qu'il y a beaucoup de tactiques dedans et je pense que les boxeurs ont cherché à profiter des faiblesses de leurs adversaires. Donc, ce qui a amené parfois une monotonie dans les combats, mais tout compte fait, les deux derniers rounds ont prouvé justement que les boxeurs pouvaient s'exprimer davantage. Vous le savez déjà, les étalons ont arraché ce soir les tickets pour l'Afrique du Sud en venant à bout des Fauves de Centrafrique 3-1. Je vous propose à nouveau les buts de la rencontre. Allez-y, Modeste, prenez ce micro. Attention, ah, là, il y a une loupée. Oh là là. Oh là là. Alors, il ne fallait pas. Oh oui. On va chercher sur le capitaine. Je capte 3 pas Jonathan. Ah, il a 3 adversaires. Il arrive à coulisser cette fois-ci. Ça doit être le bon, Moumouni. Oh, c'est le but. Bravo. Voilà. C'est bon. C'est très bon. Moumouni Dagano, puis 3 pas. Et les mains au rein. Un peu de silence et c'est marqué. Non, il a... C'est marqué. Là-bas. Bio, bio, bio. C'est ce que nous attendons. Mais, voilà. C'est la qualification. Ils sont qualifiés à toutes. Mais ils sont qualifiés. La CAN 2013. Nous serons en Afrique du Sud, Jérôme. Oui. Les Fauves qui sont battus. Oh. Ah oui. C'est alors beau. Qu'ils ont joué contre le temps. Et je crois que... Les étalons. Les Fauves ils vont nous faire rêver. Partout. Modeste Ouedraogo. Qui jubile. Oui. J'imagine que tous les oui. téléspectateurs qui nous envoient des messages. C'est vrai. De par le monde. C'est vrai. Ils sont soulagés. Je voulais les remercier. Il y a beaucoup ont cru à cette victoire. Des étalons jusqu'à la dernière minute. Ils ont cru. C'est vrai, nous avons eu peur. On revoit encore voilà. cette tête. C'est le gardien, c'est Alain. Oui. Le gardien qui était sorti. Tout à fait. Voilà, faisons la fête jusqu'au bout de la nuit. C'est la fin du Grand Journal. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de la RTB.